Il est jeune, ancien, et il est tout. Et c'est... Comment? Ah oui, il y a un petit changement. Il paraît que c'est Micky qui va être... Oui, bon, c'est ce que je voulais dire quand même. Ah bon. Jeune, ancien, il est tout, hein? Ah, oui, hein. Il se plaît souvent à dire... Et voilà. Il se plaît souvent à dire que sa participation, son côte-part à la musique haïtienne, c'est de redorer le blason du musicien haïtien. Avec lui, et je crois il a répété en même fois que Michel Martelly vient de faire respecter musicien, vient de faire que musicien prend place dans la société. Michel, autotitré président du compas. Oui. Et il mérite vos applaudissements. Vos applaudissements. Il le mérite. Hein. Et je crois que c'est lui qui a un petit peu changé le concept du one-man show. Ah. Oui, et puis il a toujours été partie prenante aussi de Haiti Twoubadou. Oui. Il a été en quelque sorte un sacré catalyseur de ce mouvement. Il ne s'est pas marchandé du tout, il n'a pas marchandé ses efforts. Et j'en veux pour preuve à notre dernière tournée. Et revenant du Canada, il nous a rejoints. Et ça n'a pas été facile, mais il était là. Il y tenait. Alors il a peut-être un message. Bon, et je tiens juste à remercier là comme il faut parce que Haiti Twoubadou a pris naissance récemment. Et dès notre naissance, et là comme il faut, a fait un pas géant en nous supportant. Et je tiens à remercier cette compagnie qui fait tellement de choses pour ce pays, pour notre culture et pour Sweet Micky en particulier. Merci comme il faut. On applaudit. Don Gato. C'est la famille nous. Un jour dimanche dans la famille, des enfants de mon côté, je décide où y a le monde danser. À peine c'est rena la terre frappée, c'est Dieu qui dit là, c'est besoin bloqué. Il va prendre la terre pour la baiser. Tout le monde ensemble. Oh. La loi pour que j'en dis ça. Tout le monde ensemble. La galère, ça soule, soule, soule. La galère, ça soule, soule, soule. Chantez.
collecte sol sol sol. La collecte sol sol sol. Et puis si. Come on, damn, you don't stop my damn gal. Come on, damn, you don't stop my damn boy. Boy, boy, boy. But I know, but I'm a boat for this. But I know, you don't think I'm a chance. I just have a damn gal. For me, I'm a boy, 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 boy. Put your hands up, tell them we don't want no war. I'll dig out them from the right. Put your hands up, tell them we don't want no war. I'll dig out them from the left. Put your hands up, tell them we don't want no war. I'll dig out them from the right. Put your hands up. Est-ce que nous avons un bichon qui a frappé? Réalisez-moi ici, nous avons. Hey, les pères. Les pères. On a le nom, on a le. Hey, my name is Bichon. I come from the right. La collecte sol sol sol. Essayez expliquer, elle va louer pour le cotiser. Tout le monde a ça. Bonne chance au concours, ok? Bonne chance à tout le monde. Michel Martelly et l'équipe de Voreuse, merci sous vos applaudissements. Merci Michel. Eh bien oui, on a gambardé un bon coup avec Micky. On le sent toujours passer, celui-là. La Alors, magie. Oui, le prochain. Oui. Alors, le prochain, et c'est José Tavernier. Oui. Avec son groupe Ibo Combo, les années entre 60 et 64. 60, oui, début des années 60, il va nous le dire lui-même. Il nous arrive maintenant, il se prépare à se joindre à nous. José Tavernier, qui en tout cas dans le groupe est considéré comme le doyen d'âge, et qui est, comme vous le voyez, encore un jeune homme. Bonsoir. José Tavernier. Bien, bonsoir. Ça fait réellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Hein? Alors, José, on allait parler justement de tes débuts, rapidement. Comment ça a commencé? Est-ce que c'était avec Ibo Combo ou avant Ibo Combo? Eh bien, il y a eu pas mal... Ça ne mange pas? Il y a eu pas mal de petits orchestres, mais le réel début, c'était avec Ibo Combo. Ben voilà. Ibo Combo et... Ibo Lélé, c'est ça. C'était l'orchestre attitré qui jouait à Ibo Lélé. Ibo Combo, et je me plais souvent à dire que des musiciens des Chleux-Chleux ou enfin des musiciens de l'époque, des ambassadeurs, allaient religieusement tous les week-ends voir évoluer ces messieurs, les José Tavernier, Tite Pascal, à l'occasion, Birut Maillère, etc. Donc c'était une manière de se ressourcer à la bonne chose.
Et il y a encore des succès de Ibo Combo qu'on joue à la radio. Oui, comme La Vie Musicien, il y en a plein. Hein. Oui. Il y a aussi ce magnifique hommage rendu par José à nos artistes troubadours. C'est si l'on veut un artiste troubadour. C'est un troubadour avant la lettre. Hein. C'est ça. Il a vraiment c'est lui qui a initié vraiment le mouvement. Commercialement. Oui, commercialement. Oui, commercialement. C'est ça. Eh bien voilà, on applaudit plus fort que ça. José Tavernier. Merci, merci.
Tavernier. Voilà un jeune homme qui irait, qui chante, qui danse et qui fait encore danser avec beaucoup d'énergie. Alors, la jeunesse. Oui. Il a encore la jeunesse, toute la jeunesse. Toute la jeunesse avec lui. Alors, maintenant, Joe, nous allons recevoir.